Bonjour tout le monde, c'est Warwick de Warwick Academy, bienvenue à nouveau sur Mass Effect. Nous sommes de retour sur Kadara. La dernière fois, nous nous sommes occupés de la quête de relation avec Cora Harper. Donc on a retrouvé l'arche Asari. Je vais y arriver. Et donc du coup, au retour, on a reçu un mail de Phoebe nous disant qu'elle avait trouvé quelque chose concernant son robot qu'elle avait récupéré. J'espère qu'on va avancer auprès d'elle pour la suite de la quête de relation avec elle. Sinon, on ira voir Drake sur le Nexus. Vous êtes mon nouveau meilleur ami. Oh, Ryder, j'aimerais vous présenter mon nouveau meilleur ami. C'est comment votre nom déjà? Samrick. Ah oui, voilà. Samrick s'est montré plein de compassion au sujet du vol de Peck. Il a fait partie de la bande de notre chère Kalinda, et il connaît ses points de rassemblement, ses planques et autres. Eh bien, Samrick est quelqu'un de très important dans ce cas. Oui, mais il a un peu de mal à le comprendre. Écoutez, les vers, les flatteries et tout ça, c'est sympa, mais Kalinda aime pas trop qu'on parle de ses affaires. J'ai seulement morflé quand elle m'a viré de son équipe. J'ai pas franchement envie de revivre ça. Vous buvez un verre avec nous dans un établissement public de Port Kadara. Kalinda va l'apprendre et s'imaginer le pire. Oui, et je me demande combien de fois vous allez devoir crier votre innocence avant qu'elle vous croie. 30? 40 fois? Alors vous feriez aussi bien de nous dire ce qu'on veut savoir. Au moins comme ça, vous boirez encore un verre à l'œil. Eh merde, vous avez de sacrés arguments. Et j'ai encore soif. Merci, Ryder. Ça ira, il va se mettre à table. Je saurai bientôt où chercher Peck. Bon, on a avancé. Et c'est vraiment par petits morceaux. Bon, Phoebe, c'est pas encore pour cette fois finalement. Donc, on va aller sur le Nexus pour. Alors, parce que là, c'est pas bonne quête qui est sélectionnée. Nakmor Track. Voilà. Donc, on va chercher les brouilleurs dans les quartiers. Donc, on va essayer d'avancer un petit peu sur tout ça en même temps. J'aimerais bien avancer au maximum sur ces quêtes de relations avec mes différents coéquipiers avant de pousser un peu plus loin la quête principale. Surtout que c'est des missions très. Bon, j'aime bien, très intéressantes. Kalo qui veut parler. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Je n'en reviens pas. Gil a reconfiguré tout notre tableau de navigation. O'Connell avait fait une dizaine de sorties dans l'espace pour mettre ça en place, c'est pas vrai! Kalo, ne faites pas. Prenez la barre, ça a assez duré. Vous vous fichez de ce que mon équipe et moi avons traversé pour construire ce vaisseau? Oui, je m'en fiche. Ce qui compte pour moi, c'est notre survie ici. Et si ça implique de modifier... Ah, vous n'avez pas le droit de faire ça! Bon, il va falloir vous expliquer. Qu'est-ce qui se passe? Je fais mon boulot, moi. Et lui, il le défait parce que... Allez savoir. Vous n'étiez pas là. On a trimé pour combiner une foule de nouvelles technologies. Toutes les nuits blanches, les coups de génie, les accidents. Les humains oublient, mais pas les galariens. Moi, je continue à vivre ces moments. Mon équipe est là. Démonter le Tempête comme une vulgaire radio cassée compromet tout ce qu'ils se sont échinés à construire. C'est leur héritage. Je comprends ce que vous ressentez. Sérieusement? Écoutez, Kalo, vos camarades ont fait du bon boulot, mais ils sont morts. Ils ne pouvaient pas anticiper les problèmes d'Eleus, comme le fléau. Si on ne s'adapte pas, on mourra nous aussi. C'est ce que vous voulez faire de leur héritage? Éventrer un vaisseau aussi complexe au beau milieu de l'espace, ce n'est pas s'adapter. C'est se montrer irresponsable et... irrespectueux. Le Tempête est à nous maintenant. Il doit avant tout servir notre mission et répondre à nos besoins. Gil, faites les modifications nécessaires. Je me demande si un jour, des étrangers traiteront votre œuvre avec une telle négligence. On a enfin la paix. Merci, Ryder. Bon, le spectacle est terminé. Retournez travailler. Ok,
Ouais, alors ça fait un petit moment, c'est des discussions que j'ai pas forcément montrées dans les vidéos où à chaque fois Kalo et Gil ils arrêtaient pas. Gil, arrête pas de se chamailler quoi. Du coup, c'est ça. Bon. Par contre, j'avoue que je suis d'accord avec Gil. Faut s'adapter quoi. Faut pas rester sur le passé. Bon, parce que ça donnera. Je souhaite la bienvenue sur le Nexus à toutes nos pèlerines à Sari. Votre voyage a été long, mais nous sommes ravis que l'Arche Lusignia soit arrivée. Merci de votre patience tandis que nous tâchons de vous loger. À tous ceux qui doutaient de l'avenir, la preuve est devant vous. Les Asari subsistent, et avec elles, le rêve. Ah, et voilà notre héros à tous, le pionnier Ryder. Auriez-vous un message à transmettre? Comme l'a dit Monsieur le Directeur, le rêve subsiste. À nous tous, nous réussirons. Exactement ce que j'aurais dit. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit. Ryder mérite notre gratitude à tous. En attendant, je vous invite cordialement à profiter de tout le confort que le Nexus peut vous offrir. Excusez-moi. C'est vous notre sauveur? C'est moi. Je vous dois tout. Si vous n'aviez pas été là, je serais morte. Nous le serions toutes. Maintenant, notre avenir est sauvé. Et il promet d'être radieux. Le plus dur est derrière vous. Eleus a beaucoup à offrir, vous verrez. J'ai hâte de le découvrir. Ah bah je m'attendais pas à celle-là. C'est bien ça. Donc voilà. Alors je sais pas si vous avez remarqué, je crois qu'au niveau de l'arrivée sur le Nexus c'était différent d'habitude. Et donc vous voyez bien les deux arches, l'arche humaine et Asari. Là je vois qu'il y a peut-être une quête à récupérer. Avant toute chose, Tana a envoyé un petit cadeau pour votre message positif. Félicitations. Aujourd'hui c'est du lourd. Les exilés, sûrement le sujet le plus sensible pour nos dirigeants. Vous avez rencontré ces mutins déloyaux à Port Kadara. Certains pensent que les exilés sont une menace qu'il faut éradiquer. Les exilés ont autant de problèmes que l'initiative. C'est pas comme si tous les hors-la-loi voulaient notre peau. Oh, c'est presque une hérésie d'entendre que les exilés ne sont pas que de sales. Exilés. Désolée, je dois en rester là. J'ai une réunion à préparer. Apparemment, certains colons veulent discuter de la série. Peut-être qu'ils accepteront d'y participer. Il y a un angle mort près de vous, pionnier. Comment ça? Il y a une zone de la pièce que je ne vois pas, si je puis dire. Des composants de recycleurs, des accumulateurs, des aliments déshydratés. Je scanne les étiquettes. Une grande partie de ces boîtes ont été signalées disparues. Des interférences perturbent le scanner. Vous allez devoir utiliser des techniques moins élaborées pour fouiller ces quartiers. Vous devriez peut-être regarder sous le mobilier ou derrière, pionnier. Comment je fais pour faire ce genre de truc? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Qu'est-ce que c'est? Je ne peux pas scanner ce que vous tenez, pionnier. Comme si un brouilleur m'en empêchait. On va avoir besoin d'un expert en transmission. Ok, on a trouvé un petit truc caché. Bien joué. Bon, si on arrive à sortir sans se faire opérer, ce serait pas l'eau qui soit juste derrière la porte. Vous tombez bien, Ryder. J'ai trouvé quelque chose en surveillant les transmissions pour le Nexus. Il y a eu plusieurs attaques menées par un groupe appelé les Trois Sabres. Ils frappent des avant-postes et des vaisseaux de marchandises. Le plus bizarre, c'est qu'ils ont l'air de connaître nos opérations, comme s'ils recevaient des renseignements. J'espère que t'as des preuves. Pas vraiment. Juste un mode opératoire qui montre qu'ils ont l'air de savoir où attaquer. Et un pressentiment. Chaque fois que je le signale, on me dit qu'une enquête sera ouverte. Et puis ça passe aux oubliettes. Mais vous êtes le pionnier.
Si quelqu'un trahit le Nexus, vous devez faire quelque chose. Ils ont l'air de connaître nos opérations. Ça peut nous créer de gros ennuis. Il vaut mieux aller voir. Merci. Je savais que je pouvais compter sur vous. Vous êtes le meilleur pionnier de toutes les galaxies. Je sais pas où ils se cachent, mais j'ai les coordonnées de leur dernier pillage. Les scanners du Tempête trouveront peut-être où ils sont partis. Je vous félicite d'avoir retrouvé l'Arche à Sari, Ryder. J'ai cru comprendre qu'il y a eu des problèmes avec Sarissa. C'est réglé. Il est peut-être préférable que je ne sois au courant de rien. Le principal, c'est que vous ayez ramené le Lusignan en un seul morceau. Souhaitiez-vous me demander autre chose ? Simple curiosité. Qu'est-ce que vous savez sur les personnes à l'origine de l'initiative ? La même chose que tout le monde. G.N. Garson en était la fondatrice et la tête pensante. Par malheur, elle est morte lors de l'incident du fléau. Personne d'autre ? J'aurais bien aimé. Une autre voix pour apaiser les esprits. Keshe aurait peut-être fini par m'écouter. Mais non, il n'y a plus que nous. Pourquoi cette question ? J'ai des raisons de penser que Garson n'était pas seule. Qu'est-ce qui vous fait dire cela ? C'est compliqué. Elle avait une partenaire dans l'ombre. Une bienfaitrice. À supposer que ce soit vrai, cette partenaire n'a pas donné signe de vie en 14 mois. Elle doit être morte, portée disparue, ou elle n'a jamais existé. Non, tout gravitait autour de G.N. Garson. Mourir seule. Une fin vraiment tragique pour une personne de sa trempe. Oh ? C'était le chaos. Le temps que nous la retrouvions, elle avait déjà succombé à ses blessures. C'est quand même pas de chance. Mourir juste à la fin d'un voyage de 600 ans qu'elle a personnellement organisé. Le destin peut être cruel. Si vous impliquez que les choses se sont passées autrement, Ryder, je préférerais que vous vous absteniez. Ne compliquons pas la situation. Merci de m'avoir reçu. Ryder, si vous souhaitez poursuivre votre enquête, les enregistrements de sécurité du Nexus pourraient vous en apprendre plus. Oui, il y a un truc à approfondir là-dessus. Oh, mais derrière... Pionnier, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Je vais vous demander quelque chose, et il va falloir sourire et faire comme si de rien n'était. Souriant et l'air de rien, compris. J'ai trouvé ça, quelque part sur la station. Je veux savoir à quoi ça sert exactement. Bien sûr, je peux... Eh, mais c'est un brouilleur ! C'est illégal, ce truc ! Où est-ce que vous avez trouvé ça ? Je préfère me taire pour l'instant. Vous le saurez en temps voulu. Ou une fois que j'aurai piraté ce brouilleur ? Vous pouvez prouver qui s'en est servi, avec certitude ? Bien sûr. On pourrait pirater n'importe quelle barrière de sécurité avec ces machins. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont interdits. Pardon. Souriant, l'air de rien. Prévenez-moi quand ce sera fait. Je m'en occupe. Un nouvel email vous attend sur votre terminal, pionnier. Un mail et parler à Drake. Bon, ok, le temps qu'il enquête sur le brouilleur, nous on va aller aussi continuer l'enquête sur la mort... de Garson. Ok. Le seul élément concret qu'on a, c'est que son corps a été retrouvé dans un des appartements. Associer son décès à la catastrophe du fléau relève donc simplement de la spéculation. Ouais, il voulait juste clore cette affaire. Je pense qu'on devrait jeter un œil à cet appartement. Les données environnementales nous permettront de reconstituer les événements. Ok. C'est peut-être l'appartement qu'on a déjà regardé tout à l'heure. C'est ici que le corps de G.N. Garson a été découvert. Qu'est-ce qu'on cherche ? Scanner la pièce pourrait permettre de reconstituer les événements à partir des données environnementales. C'est pas ce que je pensais. Voilà. Ça n'avait rien d'un accident. On l'a assassiné. Plus d'un an s'est écoulé depuis cet incident. Le meurtrier doit à présent être très loin. Oui. Attends. Cette zone était fermée à ce moment-là. Elle n'a ouvert qu'à l'arrivée de l'Hyperion. Alors qu'est-ce que Garson fabriquait là ? Un autre scan de la salle pourrait se révéler utile. Du coup ça ? Ah non, d'accord. Une porte. Oh, mais ça amène... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah non. Pièce secrète. Ici G.N. Garson. Le temps m'est compté. Je me cache dans les sections condamnées du Nexus depuis notre arrivée. Quelqu'un veut ma mort. Je les entends. Ils sont dans la ferme hydroponique. Ils me cherchent. J'ai intégré tout ce que je sais à l'IV du centre culturel. Le code se trouve dans cet enregistrement. Et quoi qu'il arrive, pensons. Ils sont derrière la porte. Merde. Là, c'est du sérieux. C'est troublant, en effet.
J'ai récupéré le code du kiosque IV qu'elle a mentionné. Il y a un coup monté dans tout ça, là. Ravi de vous revoir. Bienvenue à vous, cher voisin. Je suis Jen Carson, fondatrice de l'initiative Andromède. Je souhaiterais vous en apprendre plus sur nos projets. Sam, on peut écouter le message dont Carson parlait ? Déverrouillage en cours. Je le redirige sur notre canal privé. Pendant des années, l'initiative a eu un contributeur officieux. Pour être franche, je manquais cruellement de fonds. Puis une bienfaitrice est apparue. Je ne l'ai jamais vue ni lui ai posé de questions. Une regrettable erreur. J'ai menti à tout le monde. Quelque chose les a terrifiés dans la Voie lactée, et voilà qu'ils déplacent 100 000 d'entre nous vers Andromède. Pour le meilleur, j'espère. J'ai des doutes. Je pense qu'on va essayer de m'éliminer. Avec Alec Ryder, nous avions un mot de code pour ça. Fulcrum. Il en sait peut-être plus. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par « quelque chose les a terrifiés dans la Voie lactée » ? La réponse pourrait se trouver dans les souvenirs de votre père. Il en savait peut-être davantage. Oui. Il faudra que j'en obtienne l'accès pour en avoir le cœur net. Ryder, l'un des souvenirs de votre père est disponible. Voyons ça. Ce souvenir date du jour de la mort de votre mère. C'était un beau combat, soldat. Ce n'est pas terminé. Alec. Non. Alec, on n'a que quelques heures. Profitons-en. Et après ça ? Vous vous serrerez les coudes ? C'est toi qu'on veut. Je t'aime, maman. Je vous aime, tous les deux. Vivez votre vie. Faites de grandes choses. Vous avez tellement de potentiel. Et aussi, tombez amoureux. Au moins une fois. On vous laisse tous les deux. Dis-le, Alec. Dis-le. Je le dis alors. Au revoir. Prends soin des enfants. Sois là pour eux. Bien sûr. Pleure mon départ si tu veux, mais te laisse pas détruire. Tu te rappelles ce que tu disais quand tu étais N7 ? Quand tu as le dos au mur, et que tu ne peux pas fuir, certain. Souviens-toi de ça. Sois fort. Je le serai toujours moins que toi. Je t'aime tant, Hélène. Je m'attendais pas à ça. La mort demeure un concept insaisissable pour moi. Une fin définitive dans un cosmos, par ailleurs, rempli de possibilités infinies. Je crois pas que ce soit la fin. Ma mère n'a pas disparu pour toujours. Où est-elle allée ? Je sais pas, mais j'aime à penser que son existence persiste quelque part. Dans ce cas, je n'ai peut-être pas complètement échoué à la sauver. Votre père espérait que je pourrais la guérir. J'ai jamais compris. Avec toutes tes compétences, Sam, comment elle a pu mourir ? Ma capacité à améliorer la physiologie organique est limitée. La maladie de votre mère était systémique. De plus, il semble que la vie ne soit pas uniquement liée à la biologie. Elle dépend également de la volonté de vivre. Je crois que votre mère avait accepté son sort, et c'est pourquoi son corps a renoncé à lutter. Je détecte des souvenirs supplémentaires, mais ils sont actuellement verrouillés. Ils renferment peut-être des réponses. Très bien, je vais continuer à travailler là-dessus. Ce sera tout pour l'instant. Entendu. Voilà, il va falloir trouver d'autres déclencheurs pour continuer sur cette quête. Et du coup, enquêter sur la mort de Carson aussi. J'ai l'impression que c'est lié. C'est quoi ça ? Il y a une autre quête ici. Tout un tas de quêtes. Désolé de vous avoir fait venir, mais la discrétion est de mise. J'écoute.
Pour faire court, l'un des assistants d'Harry a embarqué une proche sur l'Arche sans autorisation. Il l'a ensuite réveillée et laissée partir. Il se trouve que cette personne est porteuse d'une maladie rare. Elle n'est pas contagieuse pour l'instant, mais plus tard, par contre... Est-ce que Tan est au courant ? Tan ? Bien sûr que non. Son bureau est une vraie passoire à informations. Si la nouvelle fait le tour de la station, ce sera la panique générale. Et comme ce problème vient de l'Hyperion, c'est ma responsabilité. Donc c'est la mienne également, n'est-ce pas, capitaine ? Merci, Ryder. Tâchez de garder ça pour vous, pour le moment. La seule façon de limiter les dégâts au maximum, c'est de régler le problème avant que les rumeurs se répandent. Très bien, je m'en occupe. Merci. Allez voir Harry. Il pourra vous donner plus de détails. Reprenons le contrôle de la situation avant qu'il ne soit trop tard. Ok, Harry, c'est celui qui s'occupe normalement de sa sœur. Ah, vous voilà. Dan vous a fait le topo ? Juste le nécessaire. Elle m'a dit de vous consulter pour les détails. Bien, voilà ce que je peux vous dire. Avant notre départ, Charlie, un membre de mon équipe, a aidé sa tante à s'inscrire pour rejoindre l'initiative. Il a falsifié les analyses ? Oui. Elle est atteinte du TH314, une maladie mortelle extrêmement contagieuse dans ses derniers stades, qui peut se transmettre entre espèces. Elle était à l'état latent jusqu'à ce que Charlie réveille sa tante. Il a pris les symptômes pour un simple mal de stase. Il n'y a ni traitement, ni vaccin. La maladie est mortelle au stade terminal et la patiente a disparu de la circulation. Elle est devenue un risque. Il faut qu'on la retrouve avant qu'elle contamine quelqu'un d'autre. J'aimerais faire passer son bien-être en priorité, mais on doit être paré à toute éventualité. On doit avant tout empêcher le TH314 de se propager, quoi qu'il en coûte. Ça ne va pas être simple. Est-ce qu'il y a autre chose à savoir ? Soyez rapide, mais discret. Il ne faut pas créer de mouvement de panique dans la station. J'ai juste à fouiller la totalité d'une station spatiale en toute discrétion. Compris. Ça pourrait être pire. Elle pourrait avoir quitté la station et risquer de contaminer les Angaras. Commencez par la douane. Même avec un dossier médical falsifié, elle a forcément dû y passer comme tout le monde. Votre nom ? Ryder. Bienvenue sur le Nexus. Laissez-moi vérifier la base de données pour... Ah, vous êtes déjà autorisé à bord. Et vous êtes un pionnier. Bonjour. Vous pouvez peut-être m'aider. Je cherche quelqu'un, une certaine Ruth Baker. Je l'ai bien dans mes fichiers. Pourquoi ? On est amis. Je voulais juste prendre de ses nouvelles avant de repartir. Pas de problème. Elle a dit qu'elle souhaitait retrouver ses amis. Voyons voir. Ah oui, Ruth Baker. Elle a essayé de me caser avec son neveu. C'était mignon. Vous vous souvenez d'autre chose ? J'ai limité son accès à la zone commune parce qu'il y avait des anomalies dans son dossier. J'ai tout réglé et je lui ai envoyé un message pour la prévenir. Merci. Accès limité, hein ? Sam, tu peux en faire quelque chose ? Oui. Je devrais pouvoir vous aider à suivre ses déplacements, au moins durant cette période. Ruth Baker est passée par ici, pionnier. Vous pouvez suivre sa trace grâce à votre scanner. Votre scanner peut de nouveau tracer les déplacements de Ruth Baker. Regarde, un message suivant, le traitement de vos documents est terminé, merci de votre patience. Revenez au bureau d'immigration quand vous serez prête. Bonjour, je m'appelle Ryder. Vous n'auriez pas vu Ruth Baker par hasard ? La Torvalonne. Vous cherchez Ruthy ? Elle était là tout à l'heure. Elle m'a aidé avec un peu de paperasse. Je sais pas comment j'aurais fait sans son aide. Comment se passe son installation ? Elle avait l'air d'aller bien ? Ouais, elle semblait contente d'être ici. Est-ce qu'il y a un problème ? Charlie va bien ? S'il lui arrivait quelque chose, elle s'en remettrait pas. Tout va bien, je dois juste lui parler. D'accord. Ah, tant mieux. Je commençais à m'inquiéter. Elle devrait être quelque part en salle des opérations. Elle voulait voir quelqu'un. Terron, je crois. Merci. Bonjour, est-ce que je peux vous aider ? Bonjour, je m'appelle Ryder. C'est vous, Terron ? Oui, il y a un problème ? Je cherche Ruth Baker. Est-ce qu'elle était là ? Elle est repartie il n'y a pas longtemps, mais elle avait pas l'air d'aller très bien. Vous pouvez préciser ? Comment dire, je suis pas experte en humain, mais elle se comportait bizarrement. Elle a parlé de mettre son neveu en sécurité et elle a filé avant de finir sa phrase. On discutait des navettes, elle est peut-être allée au quai ? Je vais aller voir, merci.
D'après le fichier fourni par Harry, le stade 2 du TH-314 se caractérise par des crises de paranoïa. Vous devriez quand même faire examiner ça à l'infirmerie. Vous pouvez me dire ce qui s'est passé ici? J'étais en train de réparer une navette, quand cette bonne femme surgit de nulle part. Elle m'a frappé à la tête, et elle a pris la navette. J'ai failli me faire cramer par les réacteurs. Vous savez où elle est allée? Ça m'étonnerait qu'elle ait indiqué sa destination au centre de contrôle avant de filer. Bon sang, mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi elle a fait ça? Ne vous inquiétez pas, je vais la ramener. D'accord, merci. Est-ce que vous pouvez me dire autre chose? La coque a pris une bonne rasade de chalumeau quand elle m'a frappé. Ça devrait laisser des radiations sur un bon clic derrière elle. Excellent, je devrais pouvoir la repérer avec ça. Merci. Ok, je suis la trace de la navette volée. Sam, nos scanners peuvent détecter les émissions de la navette, n'est-ce pas? Souris confirme. Ok, veut vous voir. Ryder, j'ai un coup de main à vous demander. Bon, je vous écoute. Qu'est-ce qui vous tracasse? Un des botanistes, Ark, a appelé. On a volé un transporteur de la colonie. C'est qu'un transporteur? Vous pouvez pas le remplacer? C'est pas le transporteur le problème. C'est ce qu'il y a dedans. Notre chambre de semences. Il y en a qu'une comme ça. Sans cette chambre, les choses deviennent plus compliquées. Les enfants Krogan ont besoin de ces nutriments pour survivre. Si ne serait-ce qu'une seule couvée éclos avant la fin de la synthèse, les effets seront irréversibles. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je vais trouver ces voleurs et récupérer la chambre. Vous voulez bien m'accompagner? Les transporteurs ne sont pas censés être protégés par des codes? Et comment ils ont pu échapper à un Krogan? C'est la première chose que Ark a vérifiée. Il restait des vieux codes non effacés. Il bossait dans le transporteur et il en est sorti 2 secondes. Les voleurs en ont profité pour l'embarquer. Bien sûr. Avec plaisir. Je savais qu'on pouvait compter sur vous. Ark nous attend à la colonie sur Eladen. Il essaie de localiser la balise du transporteur. Il pourra nous donner son emplacement à notre arrivée. D'accord. Vous en faites pas, Drac. On va le retrouver, ce transporteur. Je compte sur vous, Ryder. Merci. Je vous vaudrai ça. Ne dites pas de bêtises. Les amis, c'est fait pour ça. Ok. On pourrait avancer là-dessus, peut-être la prochaine fois. Donc, suivre. Comment on va suivre les traces de la navette de volée? Anomalie détectée. Ah, ici, peut-être la navette. Sonde larguée. Sam m'a envoyé les données sur la navette. J'ai configuré nos scanners pour la pister. On attend votre signal. Allez, on va la choper. Ces radiations correspondent à la navette qu'on cherche. Ah, bah ça mène sur... Eladen. Ok, ok. Bon, en fait, tout nous amène ça, sur Eladen après les 3/4 des missions. Donc, je pense qu'on s'arrête là. Il y a... Bon, ça, dans le sens, ça fait un petit épisode. C'est tout un tas d'enquêtes. On avance un peu à droite à gauche. Rien de bien précis par rapport à ce qu'on a réussi à faire dans nos derniers épisodes. Mais bon, bah, fallait passer par cette étape-là. Parce que du coup, j'avais beau avancer au niveau de PB, drag, tout ça. Voilà. On avance par petits morceaux, mais on n'arrive pas encore au bout. Donc, du coup, on va voir ça sur le prochain coup, en allant sur Eladen, parce que du coup, là, si je regarde là... Hop. Hop. Voilà, on a plusieurs. On a nouveau, le fait que c'est un nouveau monde, la contagion, celle qu'on a pris. Il y a Nakmor, il y a Drac, et il y a Pibi aussi, qui a un truc là-bas. Donc, du coup, voilà, tout le reste nous amène là-bas, mis à part la chasse à l'Archonte. Chasse à l'Archonte qui correspond à la mission principale. Si je regarde le journal, hop. Prioritaire, voilà, c'est chasse à l'Archonte. Voilà. Donc, on va aller sur Eladen au prochain coup.
Ouais, les amis, bah, j'espère que ça vous aura plu ce petit épisode. Moins d'action, un peu plus de calme, un peu plus d'enquête aussi à droite à gauche. Ça passe aussi par là, ce jeu-là. Hein. C'est pas forcément que du tir. On a déjà eu des épisodes comme ça. J'essaie de couper suffisamment pour pas trop s'ennuyer là-dessus. Allez, à très bientôt tout le monde. Portez-vous bien. Ciao, bye bye.